c'est Guillaume, on se retrouve aujourd'hui avec un nouveau mot, toujours dans notre série des mots français d'origine arabe. Aujourd'hui, je vais vous parler du kiosque. Ce mot nous vient du perse, puis de l'arabe kushk, qui, en passant par le turc kushk et par l'italien kiosco, a donné naissance au kiosque. Mot qui désigne un pavillon de jardin ouvert de tous les côtés et coiffé d'un dôme où l'on peut se reposer à la terrasse d'un jardin ou sur une promenade publique. Par spécialisation, le mot a également désigné un abri destiné à abriter les musiciens lors d'un concert en plein air, et par analogie de forme, désigne aussi une petite boutique installée sur la voie publique pour vendre des journaux. Aujourd'hui, on peut trouver de nombreux kiosques dans la plupart de nos parcs et jardins publics, voire à l'angle de nos rues. Donc si l'envie vous prend d'aller sous un kiosque pour vous reposer et contempler la nature dans un parc près de chez vous, n'hésitez pas et savourez le raffinement qui nous a été transmis par la civilisation arabo-musulmane. C'est tout pour aujourd'hui. Et je vous dis à demain pour un nouveau mot.